Est-ce que je vous dis où on va ou pas? Non. Tu vas pas mettre la miniature? Quoi? Tu vas pas mettre la miniature? Non, je sais pas. Ouais, peut-être. Vous l'aurez peut-être déjà vu. Je sais pas, j'hésite. Ouais, je pense que vous l'aurez vu dans la miniature. Il y a de fortes chances. Nous partons à Astérix avec Elsa, Hicham, Pierre et moi. Oui! Ben, je me fais attaquer. Bon, en espérant qu'il pleuve pas trop, hein, priez pour nous. Parce que là. Faites des douas! Il fait pas très beau, quoi. Mais du moment qu'il pleuve pas. Ce sera trop tard, hein, ils font des douas. Ouais. Je sais pas le dire. Comment on dit, mon cœur? Même pour qu'il prie pour nous, ce sera trop tard. Comment on dit? Des douas! Des douas! Non, mais pas un rat, là. Alors attendez, faut que je vous raconte un truc. Ce matin, Pierre il se réveille, il me dit ouais, j'étais en train de faire un rêve trop bien et tout. Je dis ah bon, tu rêvais qu'on se mariait, qu'on allait avoir un enfant, qu'on allait acheter une maison. Je dis non, j'étais en train de rêver qu'on était en train de faire la guerre et que j'étais. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que on était en train de guerre contre la Russie. Voilà. Et du coup, je faisais la guerre. D'accord. Et ça c'est un truc. Oui. Oui. Bah non, c'est pas très bien justement. Il aurait pu dire que. On allait se marier, je sais pas. Oui, bah oui, on est d'accord. Ouais, voilà. Bah pour moi, c'était un très bon rêve. Et bah écoute. J'ai kiffé mon rêve. C'était nul à chier. T'as bien choisi ton métier. Bon, nous venons d'arriver enfin, c'était long la route. Je mets mes lunettes de soleil alors qu'il pleut, juste parce que je me prends pour une star. Voilà. On a sorti les carouets. Non, j'essaye de faire venir le soleil, mais il vient pas en fait. À faire des incantations. Donc, bah. Voilà quoi. Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde. J'espère qu'on va pas faire trop de queue parce que ça va être chiant. Et j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. Mais regardez, j'ai un peu espoir là. Regardez, mais oui. Il fait un peu clair, mais regarde, ouvre les yeux. Est-ce que tu veux mettre mes lunettes? Oh, il est lourd, hein. Je sais pas si ça filme. Oui, ça filme. Bonjour. On va faire la première attraction. On fait la trace du jour. Il est bien celui-là. Bon, j'espère que la. Non, ça va pas marcher. Oui, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais déjà c'est la première fois qu'elle vient ici. Ma première fois à 24 ans. Voilà. Bah, il y a une première fois. Il est au bout de sa vie, mon pauvre baby. Il a mal à son œil, en plus il a chou parce qu'il est allergique à moi. C'est déjà fini. Ça va ton œil? Ça va. T'as pas trop de vent? De quoi? T'as pas trop de vent? Non. De toute façon, il est fermé. Bah ouais. On en parle de cette tête-là qui s'incruste. Nous allons nous diriger vers Osirix. Je pense que c'est un de mes préférés. Lui et l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Faut que je vous le retrouve. C'est un qui va en avant et en arrière. Je sais plus c'est lequel, faut que je vous le retrouve. On sort de Osirix. C'est vraiment... vraiment le meilleur celui-là, j'aime trop. C'était trop bien. Elsa, elle a un petit peu la tête qui tourne. Je suis en sueur. J'ai mis ma moitié. La peau. On va aller manger maintenant. On a la dalle. On a trop faim. On va manger des frites. La tuche. Allons festoyer à les fastes de Rome. Ça filmait pas, tu peux redire. Ça, c'est une meuf raisonnable qui boit de l'eau à la crème. Regardez-moi. C'est aussi sucré que ton coke que l'eau. Ouais, mais au moins, il n'y a pas de goût. Bah écoutez, moi, je bois un coca chéri et tout va bien. J'assume. Hein.
ready, on y va. Eh, allez, ouh, j'ai pas une caméra waterproof. Alors, Hicham, il raconte ma life à des gens. Ils ont vu qu'on avait des caméras, ils ont dit, vous êtes youtubeur? Alors non, déjà, on est youtubeuse, on n'est pas youtubeur. Il va se trouver une nouvelle famille. Et après, en plus, il a dit, ouais, en plus, elle a fait les mamans, elle est passée à la télé et tout. Il raconte trop ma vie. Pourquoi c'est fermé? Pourquoi il y a personne? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il y a du côté qui a senti son nez. Regarde, vas-y, nous avons une interview ici. Voilà. D'accord, t'as l'air emballé. Ah non, mais vraiment, j'aime beaucoup. Après, moi, je suis pas une meuf qui s'exprime beaucoup, tu vois. Ah bon, d'accord, très introvertie. Et voilà, je suis un peu. D'accord. Mais non, je passe une. Hormis le truc que vous m'avez fait faire, là, je sais pas comment ça s'appelle. Osiris. Voilà. Osiris. Et qui est le meilleur manège de la série. J'irai pas jusqu'à là, hein. Mais. T'as pas s'abouiller, j'ai bien fait pour prendre ma caméra. Alors, pour info, on est juste dans une bouille qui tourne. Il n'y a rien de sensationnel. Hein. Mais on voit que les émotions sont fortes chez Madame Ress. Ouais, tu vas être enceinte. Calm down. Il vient de dire le mot swap. Ouais. Alors, on est en train de leur demander ce que c'était un swap chez les. Qu'est-ce YouTubeurs. Que c'est un swap? C'est quand tu perds ton compte et t'en ouvres un. Ok, non, et toi, tu dis que c'est quoi? Entre YouTubeurs. C'est pour les voitures. Un swap entre YouTubeurs. Ah, moi, je sais pas. Entre YouTubeuses. Ouais. C'est un visio. Non, attends, non. Entre youtubeuses. Mais attends, swap, normalement, c'est. Tu changes, donc ouais, vous échangez vos comptes. Non. Échange d'abonnés. Non. Vous en êtes. Non. Échange. Échange, c'est quand vous êtes lesbienne. Non. Vous faites des échanges sexuels, non? Non, on fait un échange de colis. En gros, moi, j'achète plein de petits cadeaux pour Elodie. Elle achète plein de petits cadeaux pour moi. Et en gros, on fait des échanges. C'est ça, un swap. Oh, c'est trop nul. Je croyais trop que c'était un truc de ouf, wesh. Ça rentre? On vient faire le tonnerre de Zeus. Je suis pas très fan. Ils ont changé les sièges, donc je trouve que c'est quand même mieux. Et t'as toujours la tête qui fond comme ça, là. Ça me fout. Ouais, quand même, t'es secoué dedans. Hein. Ah ouais, t'es secoué. Ça te dérange pas. Et la photo, j'ai les cheveux en l'air, s'il vous plaît. Non, mais regarde. Hicham, il vit sa best life au chemin. Mais moi, ça me fait rien les manèges, je suis même. Regardez, il y a Pierre Hicham. Ils m'ont pas entendu. Les petits canards. Quoi, quoi, quoi. MDR, flash info. Il y a des youtubeurs qui sont là apparemment plus connus que nous. même si c'est nous les hostels. Ouais, ils ont fait des photos avec des gens. Bref, on s'en fout. Jusque-là, on s'en fout. Sauf que le mec, il se croit youtubeur. Enfin, il est youtubeur, mais il se croit. Parce qu'il est youtubeur, tout permis. Ouais. Oh lol. Pourquoi? Parce qu'il vient de se faire engueuler et tout, il est rentré dans le truc, ouais, il a pris dans le ballon et tout. Ah ouais? Oui, il s'est fait engueuler par la meuf. J'ai pas vu. Et même après, il a parlé dans son micro, effacé le rush 7. Mais non. Si. Voilà. Bref, on sait pas qui c'est. On va essayer le rush 7. Oui, il a dit ça. On l'a pas filmé, je vais pas vous filmer comme ça. Donc on ne sait pas qui c'est. Ah. Voilà, j'aimerais bien savoir qui c'est. Est-ce qu'on essaierait de le filmer? Non, ah, ça c'est pas. Il n'y a pas des connards. Franchement, c'est un couple. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Il y a plusieurs. Hola, comment ça va? On a fait tout à titre. Tout ça? Ouais. Et bah, il est trop bien. Mon préféré de base, c'était. Ça va un peu mieux. Celui qu'on a accouché en fait, c'est haut, plus allergie. Et au final, celui-là, je pense qu'il était trop bien. Il est vraiment bien. Et par contre, ça passe hyper vite, mais il est vraiment trop bien. Il n'y aurait pas eu 40 minutes de queue, très clairement je l'aurais refait, mais là, flemme de faire 40 minutes. Et par contre, j'ai hyper soif. Et après, il faut que j'aille faire pipi aussi. Ah ouais, ah. Il est bien là. À Oméni? Bah, ici. À Oméni, ici. Ici. Je voulais savoir le prix. Oui, je sais, mais ici. Le prix, c'est ici. D'accord. Il n'a pas de prix. Bah, il est gratuit alors. Bah, ouais. Il est pas trop beau son pull. Si, hein. Je pense que c'est ici aussi. Il est incroyable. Waouh. Wow. Ouais. C'est sûr. Oui.
Attends, j'essaye. Mais je crois qu'Obélix il est mieux. Ouais, il est qui? Il est pas mal aussi. Ouais, mais je préfère l'autre. Ouais, je préfère l'autre. Attends, j'essaye le De quoi? Il y a un cochon. C'est toi le sanglier. Le son. Oh, c'est lui le meilleur. C'est lui. Viens, on va voir Elsa. Ouais, c'est trop petit. Mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai une plus grosse tête que toi. Baisse un peu ta tête. Parfait. On y va. Aïe, je suis pas ton cochon. Attends, si t'es mon cochon, du coup, je vais te manger. J'ai vraiment une tête de cochon. Hein. C'est toi de l'aider. Quoi? T'arrêtes de dire ça. C'est very méchant. Mouton, où là? Comment oses-tu me taper? Ah, tu m'as fait mal. Ah oui. Il est taré ce mec. Et limite, faudrait le porter comme ça. Nous sommes de retour à la maison. On vient d'arriver. Ce fut long parce qu'il y avait des bouchons. C'était bien relou. J'ai un colis. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux à Noël? Le Père Noël entend. Je sais pas. Moi, je pense une PS5. Mais non, la PS5, je sais pas jouer. Mais qu'est-ce que tu aimerais commander comme cadeau pour maman, pour Noël? Maman, elle a besoin de quoi comme cadeau? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un nouvel enfant. Non, je crois pas, j'ai la place. C'est limite... Tu coupes. Ah non, tu coupes. Tu l'as? Oh, mais c'est incroyable. Mais je vois pas les lumières. Mais c'est incroyable. Moi je parle tout le temps, mais du coup tu mets un bip à la place comme tu sais faire, d'accord? Qu'est-ce qui ferait plaisir à maman du coup? Voilà. Tu penses, qu'est-ce qu'elle aimerait bien avoir? Je pense qu'elle aimerait bien un petit peu d'amour. Oh, c'est trop bien. Oh, vraiment, c'est trop bien. On voit qu'il voit que sa mère est vraiment en peur de l'amour, quoi. Ouais. 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 Ça, il en peut plus, il faut un vraiment. Petit peu d'amour, c'est vrai. Il faut vraiment que tu trouves quelqu'un, même lui, au bout du bout. Vous allez sans doute vous demander pourquoi je suis habillée comme ça. Bah figurez-vous que si vous ne me suivez pas sur TikTok, déjà suivez-moi parce que là, c'est là-bas où je poste plein de conneries. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les TikTok, j'ai espionné ma copine Pauline quand elle est partie dans un date. Elle n'était pas au courant, hein, bien évidemment. Et du coup, il y a plusieurs parties où on l'espionne. Et là, on vient de tourner la fin du... En fait, elle a fait un débriefing. C'est très, 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 très drôle. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Il est en barre d'infos. Voilà, comme ça, vous pouvez aller voir tout ça. Franchement, on a trop rigolé. Bon, mes petits gens, il est 33 exactement. Il est l'heure d'aller dormir. Donc je vous laisse ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.